Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en présence du DroidTech, bonjour les droïdes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu sur Android, j'ai nommé Odmar. Je vous laisse l'intro. Vikings, the greatest warriors ever known, feared and admired across the realm. Ready to fight once more for the glory and prosperity of their people. This particular village was home to two young Vikings, Fasker and Odmar, destined for greatness by decree of the gods themselves. Unfortunately, the gods did not tell them of this plan. Just as he had countless times before, Odmar farewelled his parents, who always returned to him. This time was different. Donc voilà la présentation d'Audemars, un très très bon jeu sur votre Android. Vous pouvez y aller direct, je peux vous le dire. Donc le développeur Mudge, c'est un genre action-aventure. La mise à jour date du 31 juillet 2019, la dernière mise à jour. Enfin, le jeu est actuellement en version actuelle 0.99 et la taille installée sur mon Android fait 521 Mo. Du coup, je possède un Xiaomi Mi 9, comme je dis sur chaque vidéo, je suis pas sponsorisé par Xiaomi, mais je préfère le dire, Snapdragon 855, le jeu passe crème. Nécessite un Android 4.1 ou supérieur. Donc, la vie au village est difficile pour Odmar, qui n'est pas digne d'une place au Valhalla. Donc le Valhalla, c'est pour les Vikings. Un guerrier viking qui va se battre avec vaillance et tout ça partira au Valhalla s'il se bat avec ses armes. Rejeté par les autres Vikings pour avoir gâché son potentiel, il doit désormais se racheter, il se voit offrir un jour la possibilité de faire ses preuves, mais cette offre a toutefois un prix. Donc voilà pour Odmar, on va tout de suite commencer la découverte de ce jeu. Donc voilà. Years passed, and the Viking warriors continued on their pillaging voyages and grew ever richer. The Viking chief was proud of his people. But he was greedy, single-minded. He wished to expand his village, regardless of the consequences. The chief despised Odmar. He'd never fought for his village and survived off their scraps. But the chief would tolerate this behavior no longer. Odmar would have to single-handedly loot the forest, burn it to the ground so their village may prosper. And if he refused, he would face the same fate as his old friend Vaskar. After being ridiculed by his village, Odmar ran home to his hut. Odmar felt hurt and lost. He loved his people, but he couldn't be what they wanted him to be. Perhaps he thought he wasn't a true Viking. Maybe some sleep would do him good. Odmar couldn't believe his eyes. At his side was his long-lost friend Vaskar. And in front of them stood the hallowed gates of Valhalla. Wait! Cried Odmar as his old friend stepped into the light. In front of Odmar appeared a strange apparition. A forest fairy. She condemned Odmar's selfish ways and his squandered potential. He had let down those closest to him. He did not deserve a place in Valhalla. But she offered him a deal. A great power. If used correctly, perhaps he could earn his place in Valhalla. But at a price. Odmar woke up with excitement. What a strange dream. It felt so real. And how did this pouch get here? Was this what he saw in his dream? He looked inside the bag. A mushroom? Bon, les bases sont posées. Donc, vous avez compris l'histoire. Donc, j'ai préféré vous laisser les intros de vidéos et tout ça pour comprendre le jeu. Parce que c'est joli, voilà, donc c'est en anglais mais sous-titré français. Ça reste posé, ça reste propre. Et bah c'est parti. Donc là, on a posé les doigts.
Voilà, et c'est parti. Donc là, je laisse les commandes. Je crois que dans le menu, paramètres, afficher les commandes, ouais, c'est ça. Voilà. Comme ça, on va mieux voir. Et voilà. Donc voilà la malédiction, comme on peut le voir. Hop là. Et c'est parti. Là, je peux sauter sur mes champignons. Hop. Voilà. Donc moi, j'adore complètement l'idée du jeu, la maniabilité du jeu aussi. Là, on peut voir, hein, vous avez les touches sur le côté, vous voyez tout. Okay. Ah, je sais pas si je peux les tuer. Non, je peux pas. Ouais. Je suis mort pour rien, mais bon. Pas grave. Et voilà. Donc graphiquement c'est propre, on peut le voir directement. On fait relativement pas aussi bien sur n'importe quel jeu, on a pu voir sur la Gata TV. On a vu des jeux, c'est catastrophique, et là on le voit bien quand on se donne les moyens, il y a moyen de faire du propre. Donc le jeu se laisse jouer et graphiquement il est de toute beauté, il n'y a rien à dire. La bande son derrière elle est magnifique, c'est calme, mais c'est carrément dans le truc des Vikings. Hein. D'ailleurs en parlant de ça, je sais pas si vous le suivez, mais sur Amazon Amazon Vidéo, quoi, vous pouvez aller voir, c'est Vinland Saga. C'est avec des Vikings et tout ça, et des Danois, les Anglais, les Danois, tout ça, et franchement ça pète bien. C'est un pur manga, vous pouvez aller le voir. Voilà. je fous du mouton là, mais ça me sert à rien. Là je vais tomber, voilà. Ah, tant pis. Là je commence à tuer des ennemis. Donc niveau gameplay, bah il est là. C'est réactif, c'est propre. Par contre là je sais pas si je vais pouvoir. Non je pense pas. Par contre je peux le pousser. Ah, voilà ce que je vais faire, je vais pousser pour. Je peux aller là. Donc là c'est parti pour 10-15 minutes hein, de let's play découverte sur ce jeu. Moi personnellement je vous conseille de l'installer sur votre Android. C'est un magnifique jeu. La maniabilité elle est impeccable. Vous pouvez voir les commandes à l'écran, voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Là, je vais essayer de pas faire de bêtises comme à chaque fois. Et la durée de vie, puis là on se rappelle, on n'est plus sur console, on est sur Android. Le principal défaut des jeux Android, faut le dire, c'est la publicité. Et là pour l'instant on ne casse pas les reins avec la publicité, donc pour moi c'est un point de plus. Je peux commencer le jeu. Alors après, à dire, est-ce que le jeu je vais pouvoir le terminer dans cet état? Un jeu frais comme ça de toute beauté, bon, j'y crois pas des masses. Mais pourquoi pas. Hop. Point de contrôle atteint. Voilà. Oula. J'ai eu chaud. Je sais pas si je vais faire. Hop. On va peut-être pas faire le kéké non plus. J'arrive pas à faire. Ah oui, c'est bon, j'y arrive. Et voilà. Vous voyez, hein, j'arrive rapidement à faire ce que je veux avec le personnage.
On n'a pas cette attache directe avec d'autres jeux. Quand je parle d'attache, c'est-à-dire la simplicité de jouer. Ah zut, j'ai loupé. Je peux la retourner. Ah oui, je peux peut-être là, il y a un truc. Non, je vais peut-être faire ça. Ok. J'essaie de rebondir. Non, j'aimerais bien rebondir. Voilà. Non, je peux y arriver. Non, je peux faire ça, mais tant pis. On aura essayé. Et voilà. Donc j'ai terminé le premier niveau. Niveau relativement facile. Mais là, on l'a fait ensemble. On l'a découvert ensemble. On a joué tout ça. Donc du coup, on n'est pas là non plus pour faire du speedrun. Hein. On est là pour découvrir le jeu ensemble. Pour jouer, s'amuser. Et il est clairement addictif. Les villagers étaient bewildered par la sight de Odmar's newfound powers. Would these powers help Odmar redeem himself as a Viking? Perhaps Odmar could become a great warrior just as his friend Fasco was. But is destroying the forest the right thing to do? There was loud commotion in the crowd. Odmar! Roared the chief. You dare! To bring this cursed magic to our village. This is a new low. Death on the battlefield is too noble a fate for you. Perhaps the Kraken should teach you a lesson at the bottom of the sea. You can't hide from the gods, Odmar! The chief bellowed as Odmar leapt away. The skies turned dark. Thunder struck. Suddenly, the villagers vanished. Odmar was shocked. Who took his people? Was it the gods? Why was he left behind? He had to find out. Les cinématiques sont sublimes. Donc là, les couleurs derrière, c'est chatoyant, c'est propre, c'est beau, c'est travaillé. Le développeur Mudge, ils ont fait de l'excellent travail. Et j'aimerais voir des jeux régulièrement comme ça sur Android. Gratuitement sans pub. Y'a rien qui me casse les couilles là. C'est propre, c'est nickel. Je m'éclate. Non, un jeu comme ça, je peux y passer. Ouais, je peux le finir quoi. S'il reste gratuit comme ça, je le finis. Y'a même sur console, y'a des jeux, c'est même pas de cette qualité là. Et pourtant, y'a pas mal de petits jeux indés. D'ailleurs, je vais vous en présenter quelques-uns sur Twitch des jeux indés. Je pourrais aussi le faire sur PlayStation et Xbox. Voilà, truc de poisson pourri qui pue. C'est pas mal ça. Voilà. Super saut. Mais là j'aimerais bien récupérer celui-là. Voilà. Le poisson pas frais, on se croirait dans Astérix. Ah bien par là toi. Donc là l'idée de sauter avec un champignon, c'est une très bonne idée. Ça change complètement le gameplay. Parce que du coup on connaît les doubles sauts et tout ça comme on a pu voir dans différents jeux de plateforme action. Là du coup on se déplace vraiment qu'avec les champignons et on peut leur donner, voilà, je peux leur donner ce que je veux, où je veux. Okay. Donc là c'était récupéré, je crois que je l'ai pas fait tout à l'heure ça. On va voir. Voilà, ça c'est fait. Tac, tac, tac. Et là c'est fluide. Hein. Ok, je joue sur AMI 9, mais ça reste... Enfin, c'est toujours fluide. C'est bien créé, c'est bien conçu, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Hop. Évidemment, c'était à parier. Qu'est-ce qu'un gameplay si on se ramasse pas devant tout le monde? Et voilà. Hop. Là, je vais essayer de les buter. Est-ce que je peux là? Je vais essayer. On va voir là-haut, ça va être compliqué, je crois. Hein. Ouais. On va peut-être pas prendre de risques. Non, je peux pas là. Je peux pas tout réussir.
Ouh là là, un hérisson. Cool, pas fait long feu le hérisson. Donc là actuellement, je vous le redis, on est sur Roadmar. Un jeu sur Android. Je vais perdre moi. Non, laisse-toi. Non mais il va pas me le donner. Je peux pousser le tonneau. Ouais, je peux pousser. Hop. Et voilà. C'était pas prévu comme ça, mais c'est pas grave. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, je vais pas m'avoir. Ah, je peux pas l'avoir, c'est chiant, marrant. Donc j'ai la touche pour descendre. Non, j'ai perdu. Pas tout réussir hein, du premier coup. Enfin, de quoi la bonne bêtise. Donc là, je vous disais, j'ai la touche. La touche du haut qui me permet de descendre, voilà. Non, viens par là toi. Et c'est très très pratique. Hop. Hop là, allez, un checkpoint. Donc là on voit aussi hein, quand je commence à utiliser ma hache, ça me permet de ralentir et mes sauts, du coup je peux faire des sauts en... Pas en slow motion mais presque. C'est pas mal. Je mets le bateau à la mer. Non, ça casse pas les éléments. Ok. Ok. Oh, j'ai encore perdu. Oh, le boulet. Un boulet time là. Et oui, là, c'est pour moi celui-là. C'est bien joué quand même. J'aurais bien terminé le niveau. En plus, j'ai la touche. Non! Ah ouais, quand t'es mauvais c'est jusqu'au bout. Hein. J'ai bouffé toutes mes vies dans ce niveau. Ah c'est pas clairement, c'est clairement le jeu qui est pas dur, hein. C'est clairement moi qui est nul ce soir. C'est clairement moi. Et voilà. On en a eu qu'une seule. De mémoire. Ouais voilà, j'ai pas réussi à avoir les deux autres. Il faudrait poncer un petit peu plus le niveau pour les avoir. Allez, on essaye le niveau 3. Donc vous avez vu, hein, c'est fluide, c'est propre, c'est coloré. Il n'y a pas de raté. On a une mise à jour qui date du 31 juillet 2019 pour le jeu. Voilà, il n'y a rien à dire. Graphiquement, artistiquement, c'est propre, c'est beau, c'est réussi. Les développeurs, si vous voyez cette vidéo, faites-nous des jeux comme ça. Faites-nous-le. Des jeux comme ça, c'est énorme. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande. On veut pas du crazy kick, là, du truc qui pue. Ok. Je peux faire, là. D'accord. Donc là, on a compris, hein. Le deal, c'est à dire que j'ai ma touche et je vais forcer la traction, donc c'est comme si que je doublais mon poids pour rebondir deux fois plus haut. Voilà, c'est un peu le deal. Donc là, j'ai des monstres. Ah, d'accord, ah, j'ai pas vu celui-là. Oh, pas mal. Voilà, franchement, c'est pas grand chose, mais voilà. C'est propre, oula. C'est vraiment bien joué là de ma part. Impeccable.
stylé. Et voilà. Pas facile de jouer. Voilà, il va pas m'avoir deux fois. Par contre, j'ai un serpent que j'aurais bien voulu avoir, mais je peux. J'aimerais bien récupérer. Ah, j'aimerais bien récupérer. Quoi il sert lui ? Un truc là, mais je sais pas à quoi ça sert. D'accord. Il sert à pas grand chose. Moi, c'était juste comme ça, histoire de. Récupérer cela, voilà. Non, je vais pas y arriver, je crois. Voilà. Donc, pourquoi j'ai ça? Tac. Ah, oui, j'aimerais bien récupérer celui aussi. Là j'utilise la touche pour forcer en bas et là franchement je prends un réel plaisir à vous faire ce let's play sur Odmar. Je peux voir par là, j'ai rien, donc je suis obligé de me taper par là pour aller là. Et voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Là vous voyez, ça fait déjà 26 minutes qu'on est ensemble. Enfin un peu moins. Du coup, j'ai pas eu de pub. Je prends mon pied à jouer. Mais comme pas possible. C'est rare quand je prends autant de plaisir. Par contre là c'est quoi le délire? Il y a un truc. C'est du poison. Ouais, ça ressemble à du poison, je sais pas quoi. Je vais essayer, mais à mon avis. Ouais, voilà. C'était ça le truc. Je suis dans le Valhalla là. On va essayer de m'attraper. Ouais. Je veux pas mourir. Pas tout de suite. Ils sont coriaces, hein. Et voilà. J'ai réussi. C'est magnifique. Ouais, franchement, le dessin est vraiment de toute beauté là. Y'a rien à dire. La petite séance là, qui fait plaisir. Ouais, d'accord. Ouais, je suis mauvais. Donc dans les commentaires, si vous avez apprécié ce jeu là, si vous l'avez installé sur votre Android, dites le moi dans les commentaires. Si vous connaissez des jeux de même type que Odmar, bah pareil, hein, vous me le dites dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de le faire sur Agatha TV. Ah, j'ai du mal. Du coup. Ouais, c'est pas mal ça. Je sais pas si je vais pouvoir finir ce niveau. Hein. Non, je crois pas. Je suis très très mauvais là. Alors simplement, on va essayer. On va pas jouer les bourrins. Voilà. Eh oh, oh, oh là, il y a de la triche là. J'en ai deux, j'ai dû en rater un là. Là pareil, hein, sauter sur ses ennemis, bah, c'est tout con. Mais là c'est tellement bien fait. Voilà, j'ai terminé. Donc voilà pour le jeu Odmar
sur Android développé par Mudge, je le conseille. Je le rappelle, pas de sponsor, on m'a pas payé pour en parler, je l'ai découvert sur le Play Store. J'ai kiffé personnellement et je vous le conseille de l'installer, d'y terminer. Que des points forts, aucun point faible pour moi. Après, j'ai peut-être pas le meilleur avis, mais par rapport à tout ce que j'ai présenté sur la Gata TV, bah voilà, le jeu il est beau, le jeu il est fluide, la bande son elle est badass, voilà, il faut le dire, hein, le son qui est derrière il est énorme. Donc VOSTFR, donc voix en anglais sous-titrée en français, c'est super, les dessins, les graphismes et tout sont super, le gameplay, il n'y a rien à dire, c'est addictif. Là on a fait déjà 3 niveaux ensemble, on a passé un certain temps ensemble, on s'est pas ennuyé, ok j'ai pas super bien joué, je dois vous l'avouer. Mais voilà, c'était super. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas, à me proposer des jeux dans le même style, graphiquement et tout ça, et je le testerai pour vous. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut.